Avant de passer aux explications, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et me lâcher un gros pouce bleu et un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir et ça m'aide dans mon référencement. Et si l'envie vous prend, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis. Et sur ce, on passe aux explications. Salut les artistes, c'est Melas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un tuto sur la chanson de l'Ahbab du groupe Abranis. La particularité de cette chanson, c'est que les accords sont assez simples, le solo encore plus simple. La difficulté reste sur la rythmique typique du groupe Abranis, mais c'est intéressant de la travailler aussi pour améliorer la rythmique. Aujourd'hui, on verra cette rythmique dans une guitare électrique, mais vous pouvez la faire sur une guitare acoustique, mais ça sonnera mieux avec une guitare électrique. Sur ce, on passe aux explications. Pour les accords d'intro, avec le solo, il y a un si mineur à la majeure. Il y a un passage d'un fa dièse mineur. Mais je préfère le jouer ici, si mineur. Un bar est sur la septième fret. Position mi mineur. Alors, puis un la majeur. Un barré sur la case 5, position de mi majeur, c'est un la majeur. Le fa dièse mineur. Un barré sur la deuxième fret. Alors. Et on finit sur le fa dièse mineur. Et on refait deux fois pour faire le solo dans l'aigu et le grave. Pour le solo, on aura besoin. On va jouer la moitié de la rythmique ici, la moitié de la rythmique sur le la. Même chose sur la deuxième fois pour la troisième fois. On va jouer toute la rythmique sur le fa dièse mineur. Pour les couplets, on aura besoin juste si mineur, la majeur. Rythmique complète. Pour la rythmique, bas, bas, haut, 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 bas. Vous pouvez faire une variance bas, haut à la dernière mesure. Bas, haut, bas, à la fin. Vous pouvez la faire à tout moment, ça sent très bien. Alors. On revient sur le solo. Pour le solo, il n'y a que 4 notes qui se répètent. Il y a le La et le Si, et le Mi et le Fa dièse. Alors, première corde, 5, 7. Puis on revient sur la cinquième. Puis deuxième corde, 7, 4, 7, 5. Puis on revient 5, première corde. Puis septième. On refait une deuxième fois. Puis 5,
cette deuxième corde. Cinquième, deuxième corde, puis cinquième, directement première corde, puis septième, deuxième corde. De toute façon, je vais mettre la tablature. Puis on jouera une fois sur l'aigu. On va se déplacer les mêmes notes, mais dans le grave. Vous jouez exactement la même chose ici. Troisième, vous commencez troisième fil, troisième corde. Vous commencez troisième corde, deuxième fret. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires. Pourquoi pas vous abonner à la chaîne et me lâcher un gros pouce bleu. On se retrouve dans une prochaine vidéo et sur ce, je vous laisse.